Jésus agré moi. Agua Pugnolé, la gorgue moi. Crasso Djoro Joël, ou le prophète Joël Crasso, est né de parents musulmans. Oint et confirmé par Jésus-Christ de Nazareth en 1998, il reçoit la mission de détruire les œuvres de la sorcellerie dans le monde entier. Dès son arrivée à Paris, l'équipe de Diaspo TV est allée à sa rencontre, ce samedi 26 mars 2016, pour son premier concert aux 3 rues de la Pointe à Noisy-le-Sec. Pour mieux comprendre sa mission, écoutons-le. Reportage de Maxime Niou, correspondant Diaspo TV à Paris. C'est le cœur qui a problème. Jésus, donne-moi le micro. C'est le diable qui a problème. Ce Dieu n'existe pas. L'Indonésie, c'est l'Indonésie, c'est la deuxième région. Nous, les évangélistes, sommes en sixième position. Ça veut dire, Jésus a une raison de dire que le diable est le prince de ce monde. J'avais une conviction totale. Quand je venais mon retour sur l'Europe, j'allais avoir toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce que la France, c'est le passion de la France. Et moi, je veux votre retour en Afrique. Je veux que tu retournes en Afrique. Alléluia. Il faut que tu retournes le message en Afrique. Il faut que tu retournes toi. J'ai une option spéciale. Convainc le pas à chaque fois qu'il y a envoyé des personnes. Oui. C'est nous. Nous sommes premiers en tout. Nous sommes premiers en boxe. Nous sommes premiers en Europe. Nous sommes premiers en enfer. Oh, alléluia. Alléluia. Sauve la vie, Jésus. Où va ma patrie, où va mon Afrique?
qui est mon continent. Je respire l'Afrique, je vis que l'Afrique. Où est l'Afrique? Et ils protègent chez eux. Laissez-moi, non, je ne fais pas la politique, s'il vous plaît. Excuse-moi, une fois, je vais parler au moins quelque chose que tu vas entendre. Vous protégez mon continent, protégez mon Afrique, c'est mon continent. Protégez mon Afrique, s'il vous plaît. C'est le continent de l'avenir. Ça vous ravitaille en cacao, en café, en EVA, en tout. Mon continent, l'Afrique. Laissez pas gâcher l'Afrique, l'Occident. Je ne suis pas un politicien. C'est pour ça que tout le système s'est levé contre moi aujourd'hui. Pour m'attaquer, parce qu'ils savent que j'ai entendu ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. C'est ce qui est vrai. L'Afrique, cherchez-moi, c'est ma patrie. Je ne suis pas politicien, je n'ai que l'Afrique. On dit le français, excusez-moi, je suis un mangeur de tikiti, un villageois. Donc je peux me tromper un peu en français, s'il vous plaît. On dit qu'il est français d'adoption. On vous dira ça un jour. Vérité. On vous dira ça, que vous voulez ou pas, à vos enfants, on dira ça à vos enfants. Vous préparez quoi pour l'Afrique? Je ne prépare pas une révolution, non, c'est parce qu'il m'intéresse. Je suis un conseil. Et quand le conseil, c'est la délivrance. C'est pourquoi tu dis l'envoyer. La porte. L'Afrique, cherche-moi. De Dieu vient. Je ne suis pas le genre qui parle. Écoutez-moi, moi je suis un peu chuchoté, bizarre, je vais vous prêcher. C'est pas ça qui intéresse les gens. Amen. 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 J'ai un message, c'est ça qui est important. Amen. Je suis convaincu que j'étais appelé par Dieu. Moi je le sais et Dieu le sait. Amen. Je n'ai pas besoin que quelqu'un. J'ai dit être une mes soeurs ou un frère, je n'empêcherai pas quelqu'un de parler de moi, que tu parles en Dieu ou mal. Ça. Donc, mon alliance avec Dieu, nuit à l'autre. C'est-à-dire qu'on parle de quelqu'un, il a monté une entreprise en Afrique, en France, en Belgique, quelque part, on veut le nuit. À ça. Il y a un homme de Dieu qui a dit, depuis 3 ans, qui me découvre, j'ai béni Dieu pour lui. Amen. Vous savez, je vous dis une chose. Je suis content pour vous. Amen. Que dans la salle. Amen. Parce qu'avant que j'arrive, 2 mois avant que j'arrive ici, on m'a dit qu'il n'y aura pas une seule personne dans une salle. Oh. Non, ils m'ont déjà dit ça. Oui. Non, écoutez. Sur les chaînes de télévision. Amen. On nous a suspendu, on ne parle pas, on parle plus la télé. Non, je ne suis pas, je n'ai jamais voté Babo. Ça, je vous le dis. C'est lui qui veut m'insulter, qui m'insulte. Parce que tout Paris, c'est babouiste. Mais je vous dis la vérité, parce que je ne suis pas politicien. C'est ma raison. Si tu veux m'insulter, insulte-moi. Je ne suis pas venu parler de Babou. Ça, je vous dis. Je te dis la vérité, je ne suis pas venu parler de Babou. Mais quand il y a la vérité, qu'il n'y a pas, faut dire ça. Amen. Je suis pas... Non, parce que la religion, c'est la politique. Oui. Ah, ou bien ce qu'il dit à Sabo. Vous voyez, il a dit non, Babou, il est comme ça, allez-y là. Non. Non, je ne suis pas politicien. Quand est la vérité, il faut la dire. Amen. C'est ce qui a amené Jésus à la croix. Amen. Parce qu'il a parlé. Quand vous regardez un peu le message de Jésus, il y avait un message politique, il y avait un message religieux. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. J'ai 2 mois à vous. Amen. Amen. On a 2 mois. Amen. Mais il y a eu beaucoup de discrimination. Oh. Je dis merci à qui que je sois. Je dis un lingue, mes pères spirituels. Ça fait pratiquement 2 ans qu'il me suit. Le jour qui devrait ma vidéo, qui déjà soit, merci. Le jour qui devrait ma vidéo, il a dit, voici l'homme de l'Afrique. Amen. Voilà. Donc je dis merci. Amen. Il y a des révélations qui me donnent, qui sont correctes, exactes. Je les suis. Amen. Vous savez, l'Afrique, l'Europe ne dit rien. C'est les gens, ça intéresse. Pourquoi? Parce qu'eux ont l'air intéressés. Voilà. Ils viennent d'os. Moi, je vous veux. Amen. Amen. C'est le but de ma visite. Amen. Peut-être que ça ne te dit rien. Mais parce que
Non, pas laisse pas facile, il n'y a rien. Quand il n'y a rien, c'est plus facile. Quand le blanc te regarde, excuse-moi, je ne suis pas contre les blancs. Je vous salue, les blancs, on est ensemble. Je vous aime. On est ensemble, je vous aime. On adore Dieu. Ah, prophète, je t'adore. Non, on n'adore pas prophète. Non. On adore Dieu. Je vous aime. Chaque continent a sa race. C'est ce qu'il a pour. Voilà. Mais nous, nous sommes africains. Et moi, j'ai un langage par rapport à mon continent. Parce que je ne suis pas blanc. Dieu m'a choisi africain. Ce qui m'a mis en moi, c'est le système africain pour équilibrer les Africains. Amen. Vous comprenez? Amen. On m'a bien saisi. Amen. C'est un conseil. Amen. Mais j'ai eu pitié parce que j'ai eu une vision tout à l'heure. Vous souffrez. C'est vrai, papa. Vérité. C'est vrai, papa. C'est sorcier, donc c'est tout à fait normal. Non, laissez faire des sorciers. Je les maté. Je les maté. Je les maté. Je vous ai dit, la dernière fois, écoutez, ils ont mis tout un système. La franc-maçonnerie a mis tout un système pour que le prophète n'ait pas son visage pour le rendre et un visage. Et long séjour en plus, c'était long. J'ai eu un système en place pour qu'on n'ait même pas une seule personne dans une salle. J'aurais dit, c'est pas m'intéresse pas. S'il y a quatre Africains, lorsque la communauté, l'Afrique va se développer. Et notre problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Lève-toi pour dire que tu as développé l'Afrique, on te tue. Moi, c'est ça mon problème aujourd'hui. C'est tout à fait ça. Maintenant, je vous explique. Le problème de l'Afrique, c'est spirituel. N'est-ce pas? Amen. C'est pour ça que tous nos dirigeants sont francs-maçons. Vous mettez les araignées poilues, me mangeaient le corps. Et puis je devais mourir, puis je parlais, puis c'est sorti, le venin est sorti de mon corps. C'est sorti de mon corps. Amen. Parce que je venais sourire les arts. Amen. Oui. Ceux qui me voient, je me dis, mais où? Comme le 18e, c'est un coin d'Afrique. Je suis toujours là pour manger. J'ai mon Afrique. Écoutez, je ne suis pas venu vous renverser ce qu'on a dans la tête. Je vous dis la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vie. Dans un couple où il n'y a plus de vérité, il n'y a pas de vie de couple. Amen. Jésus dit, il est la vérité et la vie. Parce qu'il va te dire, il va te mener devant les faits. Laissez votre émotion vient. Je suis venu comme chanteur. Je chante. Qui c'est ça? Déjà mon 6e album. J'ai fait une musique quand j'avais 6. Chris, viens. Il est là? Viens. Tu me donnes le nom de la structure, s'il te plaît. Ça s'appelle Europe Africa Event. Voilà. Europe Africa Event. Amen, c'est ta structure. Et il y a eu Blesson, il y a eu le frère, mon fils Bogabien. Non, il faut que je dise la vérité tous. Amen. Acclamez le Seigneur pour celui-ci. Il est roubé, mais c'est le plus dangereux de roubé. Vous voyez, pourquoi j'explique? Je vous dis une chose. Restons sérieux, soyons sérieux. Nous avons des yeux, nous avons le cerveau pour analyser les choses. Moi, je ne vis pas ici à Evo. Ceux qui vivent à Evo, là, vous les donnez voiture. Vous les donnez 25 000 euros. Vous les donnez 30 000 euros. Depuis quand ils vous ont appelé? Ils vous ont appelé, personne n'a réagi. J'ai pas laissé un problème. Il a donné partie, c'est moi qui investis. J'ai pris mon arrêt, je suis venu, il a donné partie, je suis venu. Ils ont contribué par rapport au papier. Je suis venu. Je dois à l'Ibis, bagnolet ici là. On vous a demandé, on vous a appelé, qui a donné l'argent? Personne d'entre vous. Quand je viens dans la salle ici, vous dites, c'est une salle, qui donne 100 000, 10 000 euros, ou bien 5 000 euros, vous allez me critiquer comme un fautif. Or, moi, il y a des CD. Je suis chanteur. Si je ne commence pas par ça pour vendre, j'ai vu comment en Europe. J'ai vu comment.
On vous a dit le prophète Crasso venant en Europe cotiser. Qui a cotisé? Qui a payé l'argent avec Gagné? Ouais, combien? 60 euros. Combien? Combien? Qui? Combien? 60 euros. Qui? On ne savait pas. Mais nous, on ne savait pas. Non. Est-ce qu'on comprend mon français? Qu'est-ce qu'on paye? Parce qu'ils ne savaient pas. En France, c'est chez nous au village, à Zaroko, on peut dire non. On dit qu'est-ce que ceux qu'on paye? Elle dit, ceux qu'on fait, ils avaient le droit. Oui, parce qu'ils ne savaient pas. Ceux qu'on paye, ils avaient le droit. Monsieur, vous suivez la caméra? Suivez. Tu as d'abord combien? 60. Je veux savoir les choses. 60 euros, c'est ça? On va calculer. 60 euros. Combien? Combien? 60. J'ai payé 30. Ok, non, c'est pour Lyon. Amen. Je retourne de l'autre côté. Amen. Comment ça se prépare de l'autre côté? Dieu envoie toujours des gens pour les envoyer de l'autre côté. Amen. Dieu a envoyé Moïse pour amener Israël à Canaan. Amen. Je suis le Moïse de l'Afrique. Amen. Ça, c'est pas de l'orgueil, je le dis, pas avec fierté. Je le dis parce que je suis content du fait que Dieu m'a choisi pour vous aider. Amen. Ok, ça c'est pas une parenthèse. Ok. Janine, je l'ai mis trois fois. Attends. Il y a des gens qui m'ont déclaré la guerre. J'ai compris que si tout le temps. Moi c'est comme ça que je suis. Vous finirez par découvrir les gens au fil de l'année. Au fil du temps, vous allez savoir qui est autour de vous. La prière que vous devez adresser à Dieu, qui marche, qui est celui qui il est. Si vous découvrez ça, qui n'est pas bon pour votre destinée, séparez-vous de la personne. Sinon la personne va vous nuire. C'est un conseil qu'il donne aux gens. Parce que Dieu, pour te bénir, va t'envoyer quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la connexion. Tu n'as pas de connexion, tu n'as pas de bénédiction. C'est ce que la bénédiction, Dieu va le mettre un. Donc quand quelqu'un est autour de toi, qu'est-ce qu'il pense de toi? Les blancs compris parlent pas leurs problèmes, n'importe qui. Quand ils commencent à parler de toi, c'est que toi tu es important pour lui. Demande aux blancs. Quand blanc parle à cause de toi, c'est qu'il souvient toi, c'est que tu es important. Quand tu viens rire, rire avec tout le monde. Pourquoi? Les goûts, ils payent pas. C'est ça la vie. Tu as fait confiance aux gens, bêtement, tu es donné. C'est ça qui énerve les gens parce qu'ils vous dévoilent. Et il dit non, si tu veux aller au ciel, fasse plus Jésus, ça c'est la chose la plus sûre. Faut pas embrasser comme de quelqu'un qui connaît la zone. Qui ne sait pas, même païen sait que adultère est péché. Ou bien? Maintenant moi je te donne des petits secrets à côté. Qu'ils disent pas, qui marchent avec qui? Ça choque les gens. Avec qui tu marches? Jésus il a dit non, lui les Judas, c'est qui se met me tromper. Puis tu le laisses. J'ai dit, mais c'est Jésus, toi-même quelqu'un t'entend. Moi, le jour du dogo qui n'est pas bon, je te laisse. Moi, je dis, le jour où tu n'es pas prêt pour moi, qui dans ma vie, qui? Je te vois, on te salue, et puis on s'en va. Tu n'es pas mon papa, tu n'es pas ma maman. Mais si tu n'es pas papa, ma maman, tu n'es pas prêt pour moi, je te salue, on se sépare. Amen. Amen. C'est pas toi qui as payé ma maison. Tu ne payes pas ma maison, tu ne payes pas mon couronne. C'est pas toi qui m'as appelé. Oh, c'est ici où vous achetez le misère des gens. Moi, il y a un franc parler. Le jour où il découvre que tu es bizarre avec moi, je suis bizarre avec toi. Mmh. C'est la vérité. Amen. La Bible dit qu'il répond à l'essentiel selon sa folie. Mmh. Tu es fou, non? Le jour où tu te combats, comment le fou, il va fuir. Mmh. Quand il va te lancer les pierres, quand tu as fui, et quand tu as commencé à lancer les pieds, tu as fait comme ça, il fuit. Non, c'est des fous aussi. La Bible dit répond à l'essentiel selon sa folie. On est ensemble. Amen. On n'est pas mélangés.
Chacun sait qui c'est. La vérité, papa. Il y a des gens qui sont venus pour écouter, faire rapport avec papa Satan. Il y a des gens qui sont venus pour s'édifier. Alléluia. Il y a des gens qui sont venus pour faire rapport avec pasteur. Parce qu'ils ont mis tel fidèle d'ici. C'est le conseil. Amen. Ils vont citer. C'est moi. Je chante. Je ne vais pas parler avec quelqu'un. Je chante. Je traite de. Amen. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés à ça. Parce qu'ils savent où ils ont lavé la tête. Amen. Amen. C'est toi qui as besoin de cette parole. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a deux. Pas tout le monde est choisi. Les pères ont la raison. J'ai pas suivi. De vous voir là, c'est vous qui êtes conseillé par la parole. Amen. Moi, j'ai décidé, pas tout le monde. Pour rentrer à Cana, il a fallu deux personnes de la sainte génération, Jésus et Caleb. Amen. Il a dit toujours, Dieu n'est pas bête. À chaque époque, chaque génération, il suffit des gens qui devaient s'en aller dans son. Pas de l'orgueil. Si vous voyez quelqu'un, une femme vierge qui fait un enfant, il met un enfant au monde, c'est que la naissance de Jésus n'a pas de sens. Ça ne va jamais plus se répéter. Pourquoi? Parce que Jésus, Dieu préserve ce ministère. Si une autre femme comme Marie vierge qui met un enfant au monde, c'est que la naissance de Jésus n'a pas son sens. Amen. Si tu vois quelqu'un comme prophète crasseux qui court dans les villages, ça n'a plus de sens. C'est comme ça. C'est ce que la Bible dit. Si vous voulez critiquer ça, 1 Corinthiens le chapitre 12, le verset 4 à 6, il a diversé les gens. Il a diversé les ministères. On a beaucoup de ministères. Moi, il y a affaire aux sorties. Amen. Je ne mets pas. C'est pas à Paris. Vous allez voir à partir de Jésus, vous allez voir les sorciers parisiens. Je suis venu même pour ça. Pour montrer, j'ai déjà dit, vous allez voir que je n'ai plus d'accent sur les sorciers parisiens. Pour montrer que les gens sont. Loin, on fait comment? Vous connaissez la France? Je n'ai pas payé à hôtel des Blancs. Oh. C'est impossible. Je te connais. Moi, je te connais. Tu sais de quoi tu es capable, mais là c'est vis-à-vis. Tu gères de quoi? Moi je peux non, je gère. Hôtel? Salle? Non. Non. Prends ça. Mais on est d'accord que tu, mon hôtel, combien de semaines? Non. Non, là, pas, je pense que 4 semaines. 4 semaines. Vous pouvez encore compter avec nous, on va venir. Ça peut vous aider, amen. Voilà, parce que c'est pour nous. Qui est prêt pour Jésus? Monsieur, viens. Écoutez, je vous explique quelque chose. Avant qu'on le débat maintenant, le conseil, lanceur du sort. Est-ce qu'on va bien saisir? On ne va pas saisir? Celui qui lance un sort, la sort, le lanceur, qu'est-ce qu'on appelle là? On va bien saisir? Donc, celui qui ne lance pas un sort n'est pas sorcier. Mais, écoutez, la sorcier est plus négative. Je suis sorcier, mais pour moi c'est bon. Non, ça n'existe pas. Quand on parle de sorcellerie, c'est plus négatif. Amen. Mais celui qui lance un sort est négatif. Donc la définition de lanceur de sort. Amen. Donc un sorcier, c'est celui qui garde. Or, quand on a cet esprit, c'est un démon. J'explique. Hein? C'est un démon. C'est un démon qu'on reçoit de Satan. C'est un mauvais esprit. Quand il nous anime, ce qui est en nous, c'est la destruction. On veut détruire, on veut nuire à l'autre. C'est pour ça que le sorcier est caractérisé. Par l'hypocrisie, il est envieux, il a envie de détruire. Et malheureusement, quand tu as affaire aux sorciers autour de toi, tu es mal barré. Tu montes, il descend, il casse.
vous commencez 4. Vous mettez sa tête. Vous commencez 4. C'est ça qu'il vous dit toujours. Si vous marchez avec une personne, vous voulez vous associer avec quelqu'un, il faut être rassuré, convaincu qu'elle est délivrée, qu'elle n'a pas d'esprit du diable. Je vous disais tout à l'heure, je suis content parce que le diable m'attaque. C'est maintenant que je me critique beaucoup sur les réseaux sociaux. Même si Dieu m'attaque, c'est normal. Parce que j'attaque le papa Satan. Je vous ouvre les yeux. C'est normal qu'il m'attaque. Parce qu'il y a plus d'enfants de Satan que d'enfants de Dieu. Nous sommes combien? Tous les présidents de la République sont des francs-maçons. Tu dirais pas le contraire? Tous nos gars, c'est des sorciers. La Bible, c'est des sorciers. Quel pays qui dit, déclare pays d'un chrétien? Nous sommes son propre ici. C'est le pays ici à l'homosexualité. Vous n'avez pas vu ça, qui n'est pas, non? Vous n'allez pas ici, là. Quand tu es posé candidature, président de la République, si tu ne parles pas de homosexuel, on ne te voit pas. C'est comme Dieu plus s'accouler sur les homosexuels. Il a reconnu ça, il a même dit. Jésus agrémoire, agua pugnolé, la gua agrémoire.